êtes-vous? Battez en retraite pour votre propre dignité. Espèce de sale chienne! Tu oses défier des guerriers au combat? Prépare-toi à voir ton créateur. D'après vos habits, je peux dire que vous êtes de la royauté. Qui êtes-vous? Votre Altesse, je suis Idi Aoli. Mon père m'appelle Aoli. Les gens disent que je suis une fugitive, sans identité, sans origine. Mais je suis une voyageuse. J'ai des connaissances et la sagesse de 70 royaumes et cultures. Intéressant. Est-ce que ce n'est pas trop à ton âge? Rien n'est beaucoup pour un esprit inquisiteur. Tes parents? Je n'ai pas connu ma mère. Mon père est mort quand j'étais très jeune. Votre Altesse, j'ai bien aimé votre royaume, mais je n'en connais pas les habitants. J'ai particulièrement aimé la végétation. Elle abrite des gibiers adultes et en santé. J'aimerais faire partie de ce beau peuple. Non. Je vis en paix. Ta bravoure est assez appréciée. Je te remercierai avec des cadeaux royaux de ma part. Et ensuite, j'instruirai les gardes de t'accompagner aux frontières du royaume. Votre Altesse, quand j'ai sauvé la vie de votre fils, je n'attendais rien en retour. J'ai cru pouvoir demeurer ici, avec les gentils habitants de cette contrée. Mais maintenant, je sais que je ne peux pas. Je ne mérite pas ce cadeau royal. Merci. Personne ne rejette un cadeau venant du roi. Il y a toujours une première fois. Attends. Père. Retourne-toi. Et reviens vers moi. Je te pardonnerai de m'avoir tourné le dos. Pour la vie du prince du royaume des Éanni. J'accepte que tu sois l'une des nôtres. Merci, Votre Majesté. Tu seras traitée comme une princesse. Et sous mon autorité, tout le monde te respectera et t'honorera. Merci, Votre Majesté. Je ne sais pas comment exprimer ma profonde gratitude. Non, c'est juste une bonne conduite. Merci. L'un soit votre règne.
Votre Majesté. Reine-mère, relève-toi, ma fille. Tu seras bientôt accompagnée dans ta chambre. Votre Majesté, j'espère ne pas trop en demander. Mais je ne suis pas de la royauté et je ne l'ai jamais été. Je ne pense pas mériter de résider au palais. Peut-être hors du palais où je peux chasser ou courir mes aventures. Ces hommes que j'ai tués étaient des rebelles de notre royaume. Vous ne devriez pas vous balader tout seul. Je peux me protéger tout seul. Je vois bien comment vous vous en êtes bien sorti. Merci d'avoir sauvé ma vie. Exactement ce que je pensais. Alors, pourquoi ces hommes étaient-ils sur vos terres? Pourquoi en avaient-ils après vous? Pour rien du tout. Pour rien. Bon, eh bien, mon père a déclaré la guerre à cinq royaumes. Dans le seul but de tous les conquérir. Mais tu sais, ce sont les dieux qui décident en fin de compte. Il a pu en conquérir trois, qui forment Annie. Et les deux autres qui ont résisté sont demeurés nos perpétuels ennemis. Donc, ça fait de votre père un roi despote? Non. Ne parle pas d'un roi de telle manière. Ok. Que voulez-vous? Dites-moi, comment avez-vous appris le maniement des armes aussi parfaitement? Vous oubliez que je suis une guerrière. Non. Tu n'es pas une guerrière. Quand je te regarde, tu sais ce que je vois? Je vois une fille qui veut fuir ses origines. Ses peurs, et qui essaie de cacher son arrogance dans la bravoure. Vous ne me connaissez pas. Je veux te connaître. Qu'est-ce que c'est? Le grand festival d'Annie. La lune doit être apparue. Et toi, tu devras remercier les dieux. Sois très reconnaissante envers les dieux d'être arrivée ici avant cela. Que voulez-vous dire? Je te le dirai plus tard, guerrière.
j'entends ce que tu dis, mère. Et j'entends ce que tu dis, mère. Tu peux parler à mes oreilles. Je t'écoute, parle-moi et... Aninemo. Montre-nous la voie. Montre-nous la voie. Anineo. Montre-nous la voie. Montre-nous qui tu as choisi, oh. Montre-nous la voie. Montre-nous la voie. Montre-nous la voie. Montre-nous la voie. Hey! J'entends ce que tu dis, mère. Oui, tu peux parler à mes oreilles. Parle-moi, oh, Aninemo. Parle-moi, oh, Aninemo. Montre-nous la voie. Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse. Montre-nous qui tu as choisi et... Ha! Oh, oh! Oh, oh! Montre-nous la voie. Montre-nous la voie. Aninemo! Une parfaite étrangère. Montre-nous la voie. 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 Ezani. L'oracle a-t-il parlé? La fille du festival d'année, de cette année a-t-elle été nommée? Elle ne tarde jamais. Mais pourquoi maintenant? Kani soit loué. Comment ça peut être possible? Une étrangère, sans identité ni origine. Je viens juste de l'accepter sur nos terres. Les voix d'Annie sont profondes. Sa nature libérale ne connaît pas de limites. Quand vous avez été intronisé, Ezani le 25e de ce royaume, ne saviez-vous pas que vous devez représenter vos sujets devant Annie et Annie devant vos sujets? Ça, je le sais. Alors, pourquoi questionnez-vous les choix d'Annie sur une personne que vous avez acceptée comme faisant partie des sujets de votre royaume? Pardonne mon esprit inquisiteur et témoigne. Que Annie soit louée.
Que Annie soit louée. Salut. Salut. Eziani requiert votre présence au palais immédiatement. D'accord. Donnez-moi du temps. Nous ne partirons pas sans vous. Ouais, elle arrive. L'un soit votre règne, votre majesté. Eziani. Debout. Votre Altesse, je sais que j'ai donné ma parole d'avoir une bonne conduite pendant que je suis avec votre peuple. Pour dire vrai, cette invitation me fait peur. Si j'ai violé une loi de cette contrée, de par ma simple ignorance, pitié, pardonnez-moi. Quelle humilité! Lève-toi, ma fille. Je suis sûr que c'est ce qui a captivé l'intérêt d'Annie. Mon enfant, tu as trouvé faveur aux yeux d'Annie. Faveur? Annie t'a choisi comme une fille. Un manteau accordé seulement à celles qui sont pures d'esprit et de cœur. Tous les 4 ans. La fille d'Annie? Tous les 4 ans? Oui, ma fille. Tous les 4 ans, le festival d'Annie est observé. Annie choisit pour elle-même une jeune fille. Cette fille prend la responsabilité de porter le mal du royaume pour le jeter, le balancer dans la rivière d'Obalatim. Et ensuite, elle retourne vers son peuple de nouveau. Pourquoi moi? Les dieux sont sages. Ils peuvent être lents en prenant des décisions. Mais leurs décisions sont précises. Tu vas passer les 2 prochaines semaines du marché avec moi. Après cela, tu seras pur de cœur, d'esprit et de corps. Ensuite, tu passeras 5 autres jours de marché avec moi. Quand le festival sera fini, tu seras immortalisé comme les précédentes filles d'Annie. Immortalisé? Ah, est-ce à dire que je vais mourir? Tu ne mourras pas. Un étranger sera utilisé. Le sang d'un étranger sera utilisé pour purifier le royaume. Mais c'est barbare!
Cela nous a été transmis par nos ancêtres. En passant, tu seras traité comme un sang royal. Ou même mieux qu'un sang royal. Oudame! 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 Oudame Anede! Ah, Willie. Ne vois-tu pas que tu es déjà aimée de tout le monde? Oui. Mon père a dit que du haut de ses 70 ans, aucune fille d'année n'a dégagé la grande influence que tu as. Mmh. Tout le monde t'apprécie, évidemment. Ah, Willie. Ah, Willie. Merci, belle jeune fille. On te montrera beaucoup. À qui l'on a donné? On sait. On sait ça. Ah, Willie. Ah, Willie. Ah, Willie. Fille du royaume, s'il te plaît, pardonne-moi, mais ne t'expose pas au mal. Il a encore un petit souffle de vie en lui. Il n'est pas l'un des nôtres. C'est un étranger. Un bon sacrifice pour Annie. Personne ne doit apprendre cela. Personne. Ne voyez-vous pas que ça, c'est un signe? Les dieux nous ont bénis avec la pluie. C'est un bon signe. S'il vous plaît, personne ne doit apprendre cela. Il va bien? Non. La blessure sur sa poitrine semblait être causée par une épée ou une lance. Je ne sais pas pourquoi on cache tout ceci. Amenons-le chez Ezemoigné. Après tout, Annie a besoin du sang d'un étranger. Si j'entends ceci dans ce village, je vous tiendrai toutes les trois pour responsables. Aucune de vous ne veut être sur ma liste noire. Personne ne doit apprendre ceci. Annie aura ce sacrifice, mais pas cet homme. Pourquoi? On nous livre un pauvre homme blessé à un oracle. Tu vas bien? Thank you.
On m'a dit que tu as nettoyé mes blessures. Merci. Que t'est-il arrivé? Laisse-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? La guerre. Mon village était en guerre contre le village d'Adané. Adané? Adané. C'est un lieu très loin d'ici. Désolée. D'où es-tu? Abba. C'était une guerre communautaire entre mon village et Adané pour un lopin de terre. Ma sœur est morte. Je ne suis pas sûr que ma mère soit toujours en vie. Désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis navrée pour ta perte. Merci de m'avoir ramenée ici. Mais je dois partir. Non, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? La mort? Si j'étais toi, je souffrais la seule chose qu'il me reste. Ma vie. Je ne suis pas un lâche. Je vais rentrer aider mon peuple pour combattre nos ennemis. Je ne peux pas les abandonner. Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Encore moins arriver à Abba. Pourquoi? Ce royaume a grandement besoin du sang d'un étranger. Si tu pars d'ici, ils vont te capturer et t'utiliser comme sacrifice humain pour purifier la contrée. Pourquoi est-ce que tu m'apportes ton aide? Quand tu voudras dormir, entre dans la hutte. Ure ure ma 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 ure ure
Ha! Annie! Déesse de la fertilité! Nous sommes venus ici aujourd'hui pour demander que tu nous écoutes. La fertilité, ça commence. Ça commence. Ça commence dans la terre. Et ça finira dans la terre. Ha! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Ha! Regarde. Regarde ton enfant. Je suis venue comme d'habitude. Ouré, ouré, ma. Ouré, ouré, ma. Ouré. Hola! 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 Cours! Cours! Hola! Hola! Tu vas bien? Hola! Ah! Tu vas bien? Ça devait être terrifiant. Quoi? Ton cauchemar. C'était ma sœur. Parle-moi de cela. Si tu me parles de cela, tu pourrais te sentir mieux. Tu ne comprendrais pas. Raconte-moi tout. Je comprendrai. Ouré, ouré, ma, ouré, ouré, ma, ouré. Odogwu, déesse de la pluie, tu envoies la pluie pour nourrir nos plantes. Nous te remercions. Amadioha, Amadiohae, Dieu du tonnerre, le Dieu que nous adorons, notre Dieu personnel. Annie, Annie, nous sommes ici à cause de toi, oh, déesse de la fertilité, la déesse qui nous guide, la déesse qui bénit toujours nos entrailles, je te glorifie, Annie, oh, 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 oh. Annie, nous sommes ici à cause de toi, oh, Annie, nous sommes ici pour toi, oh! Tu nous nourris. Tu nous multiplies. Tu nous donnes tout ce qui est bon pour nous. Nous t'adorons. Nous avons consulté hier. Aujourd'hui, le deuxième jour
avant l'ultime consultation. Nous sommes venus avec la fille de Annie pour l'initier dans le royaume de quelques élus qui sont purs de cœur, d'esprit et de corps. Dieu de notre royaume, nous vous demandons de lui donner la grâce et le courage pour pouvoir porter le manteau. Ah! Annie, oh, nous sommes ici à cause de toi, oh! Annie, nous sommes ici à cause de toi. Odogu! Odogu mwani! Mba mwani zalo! Odogu mingwali gifob! Odogu kwi! Et tandis que ma kemme leur mekozo! Oh, kili kili kan wabu! Kwa sa ma chalma alo imba! Iyazi la neki e de babayi! Oh, 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 oh! Mbele beke joana dike, mbele deke ja, ma dike mbele de, zila mbele neke ja, ma dike. Donnez-moi les feuilles de palmier. Ibwekela, fekwe nanama, fekurepu. Feke na numa fekurepu. Aya fena na kana yo. La calebasse. Eh ye. Eh emili sogi. Na kwenya. Fe bukola nwanyuma. Fe me ya ruanyume. Fe me ya nkwa nyumo. Ka wadele wunsa. San san san. San san san. Eh emili mo. Eh emili mo. Membu epyo. Voici la calebasse, bénis-la. Awe imiya, awolomu, awe nyalemiya, botunke. Eh iye, eh iyo. On wa wago, ain't tell me. Na ife jwa bi chwaja. Elle s'en va. Elle s'en va où? Ah ouais, elle est. Ton rituel a été accepté. Tu peux maintenant entrer dans la rivière. Ouré, ouré! Vous pouvez chanter. Ok. Ouré, ouré, ma! 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 Ure ure ma, ure ure ma, ure 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 ma. Désolée pour ta sœur, mais tu sais que tu ne dois pas être vue dehors. Oui, Awele me l'a mentionné. Ma mère, elle ne sait pas si je suis en vie ou pas. Les temps sont durs. Si tu veux revoir ta mère, alors tu dois rester ici jusqu'à ce que le festival d'Annie soit fini. Non. Je partirai au milieu de la nuit par la forêt intermédiaire. Personne ne me verra. Les animaux aussi. Désolée. Les animaux aussi. Et crois-moi, il n'y a aucun honneur à être dévoré par un animal. Je m'occupais de ta blessure. J'espère que ça ne te dérange pas. Vas-y. Allonge-toi. Oh. Désolé.
Je n'étais pas sûre que tu viendrais. Bonjour, mon prince. Bonjour, mon prince. De grâce, assois-toi. Il n'y a aucune vertu quand un homme ne respecte pas sa parole. Prends un peu de mangue. Merci, mon prince. Tu sais, bien que tu sois dur, je dois le confesser, tu es vraiment très belle. Quand le festival sera terminé, je t'amènerai chez mes parents pour demander leur bénédiction royale. Tu sais, un jour, je monterai sur le trône et j'aimerais que tu sois assise près de moi. Disons que c'est ma façon de te remercier d'avoir sauvé ma vie. Mon prince, je n'attendais rien du tout en retour. Quand je vous ai sauvé, je ne faisais que démontrer un acte de gentillesse. Ah oui? Et ça veut dire beaucoup pour moi. Mon prince, ça ne voulait rien dire pour moi. À part sauver un prince en détresse. Ouais. Un prince en détresse, tu dis? Tu sais, j'admire ta sincérité. Mais je dois le dire. Tes paroles me blessent. J'essaie seulement d'être juste et honnête. Ok, d'accord. Dans ce cas, assure-moi. Assure-moi que tu seras assise près de moi quand je monterai sur le trône. Je dois prendre congé maintenant, mon prince. Je t'en prie. S'il te plaît, ne pars pas. Je dois y aller. Ah ouais, allez. De grâce, non. Excusez-moi. Bonsoir, Willy. Lève-toi. Noakego, où est l'étranger? Il est à l'intérieur. Il dort. À l'intérieur, à dormir. Il n'y est pas. Tu ne l'as pas livré, n'est-ce pas? Tu devrais me connaître mieux. Aux dernières nouvelles. Tu faisais la suggestion de le livrer comme sacrifice.
Qu'y a-t-il avec cet homme, Ola? Oh. Pourquoi t'en soucies-tu autant? J'aimerais le savoir. Tu sais, dès l'instant où j'ai posé mes yeux sur lui, mon cœur a bondé comme si mes veines étaient attirées par lui. J'espère juste que les gardes ne le captureront pas. Je vois. Mais fais attention à ce que tu souhaites. Ton amour pour cet étranger ne devrait pas dépasser ton amour pour ta communauté, Ola. Et Uma, et si Annie n'obtient pas le sang d'un étranger, que se passera-t-il? Je ne peux pas le dire avec certitude. Mais les conséquences ne peuvent être que mauvaises. Les dieux sont sages, souviens-toi. Le nôtre est barbare. Certaines choses sont mieux mystérieuses. Et Uma, regarde-moi. Regarde-moi. Ça pourrait être toi. Ton frère. Ta sœur. Ou une personne chère à ton cœur. Comment te sentirais-tu? Hein? Juste ce que je pensais. Hey! Je ne sais pas ce que cet étranger a fait à mon ami.
Obinze! 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 Je ne veux pas paraître ingrat, mais s'il te plaît, laisse-moi partir. Tu ne me laisses pas d'autre choix que te tuer de ma main. Personne ne me capturera. Ne sois pas stupide. Je viens de le faire. Crois-tu que les gardes ne le feront pas? Ils ne savent pas que je passe. Et moi qui ignorais que tu es passé par là. Je ne vais pas rentrer. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de te tuer moi-même. Écoute, j'apprécie ton aide, mais je ne veux pas te combattre. S'il te plaît, pour la dernière fois, laisse-moi partir. Mérite-le. Si c'est ce que tu veux, qu'il en soit ainsi. Oh! Ah! Oh! Oh! S'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça! Oh! 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 S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis, ta technique, qui te l'a apprise? Personne. Non. J'ai appris en essayant de rester en vie. Tu es reviré de ce royaume, ce qui veut dire que le danger ne peut te menacer. Il n'en a pas toujours été ainsi. Je ne suis pas de ce royaume. Je me suis établie ici. Et les dieux du royaume m'ont jugé digne d'être leur fille. Ah, oh, c'est génial. J'ai su qu'il y avait un truc différent chez toi à l'instant où je t'ai vue. Pourquoi est-ce que tu m'as sauvée? Je l'ignore. Tu as été choisi pour faciliter les rituels et festivals de ce royaume qui t'a accepté comme sa fille. Tu compromettrais la liberté qu'il t'a donnée. Il y aura toujours d'autres étrangers. D'accord. Merci beaucoup. Je ne suis pas en paix. Ma mère, j'ignore si elle est encore en vie. Cherches-tu un moyen de te faire tuer? Tu ne peux pas comprendre. Elle est tout ce qui me reste. Et moi alors? Dès l'instant où j'ai posé les yeux sur toi, une idée qui n'avait jamais traversé mes pensées auparavant a touché mon sens du raisonnement. Laquelle? Le désir brûlant d'être avec un homme. Anya Bwakwami!
Niabu Kwami. Ima Jaimonia. Et quoi non, Kilikili Kanya Pasanadalienu. I desile nyeku adabuku. Amania bek il y a je. Ou quoi se le bemou nwado. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce mauvais vent qui souffle ce soir? Annie, qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien dit à personne. Tu devrais le savoir. Et tu veux que je te croie? Non, tu n'as pas besoin de me croire. Je suis venue te dire de ne surtout pas me croire. Où est-ce que tu vas? Très loin d'ici. Je dois y aller maintenant. Mais tu as dit que tu t'assurerais qu'Awele aille bien. Comment va-t-elle? Je ne sais pas. Je m'en vais. Sans le lui dire. J'ai décidé d'être ici de moi-même. Donc, je ne dois à personne aucune explication sur la raison de mon départ. Où iras-tu? Je l'ignore. Comment ça, Yuma est partie? Elle est partie, elle n'a rien dit. Vous vous êtes disputée? Regarde la soie. Je sais que vous vous êtes portée volontaire pour ce boulot. Par hasard, si l'une d'entre vous veut partir, quand vous êtes prête, faites-le honorablement. Je m'occupais de ça. Laisse-moi voir. Aïe! Désolée. Je dois voir. Ça guérissait déjà. Que s'est-il passé? Je suis tombée. Ne veux-tu plus revoir ta mère? Pourquoi es-tu revenu? Je donnerai tout pour cela. Tu m'as un peu manqué. Je ne sais pas. J'ai prié mon dit de te ramener. Tu m'as manqué. Pourquoi? Bien que je déteste le dire, je t'aime bien. Je ne sais pas si c'est normal, mais partons ensemble. Elle a dit que je ne sortirai pas des frontières de ce royaume. Je connais un chemin sûr où on peut passer. Elle a promis de me protéger. Crois-tu qu'elle te doive allégeance plus qu'elle ne le doit à cette communauté? C'est juste une affaire de temps. Comme un agneau sans défense, elle te conduira à l'abattoir. Réfléchis-y. Où demeure
Oudemoudédé. Oudemoudélélé. Oudemoudélélé. Oudemounédé. Oudemounédé. Sinou demounédé. Oudemo. Oudemo. Oudemounédé. Oudemounédé. Kémé. Oudemounédé. Oudemoudélélé. Oudemoudélélé. Oudemounédé. Oudemounédé. Oudemé. Oudemé. Annie. Déesse de la fertilité. Ibrekala. Déesse de la pluie. Amadiaha. Dieu du tonnerre. Chiani, notre personnel Chi, notre Dieu personnel. Nous sommes venus pour l'ultime consultation dans le royaume des enfants de Annie. Je te présente. Oudemé. Merci beaucoup. Oudemane de l'eau. Oudemane de l'eau. Oudemoudelele. Oudemé. 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 Oudemane de. Hé. Le volcan va brûler le village. Zengwanye. Et à quoi dois-je cette tension qui entoure ta visite chez moi ce matin? Ce qui est plus gros que le criquet est entré dans l'encre du criquet. L'ultime consultation a été rejetée. La précédente est revenue par la rivière. En feu. Du feu. Que viens-tu de dire? Au-dessus. Quoi? Le feu, tu dis? Du feu, Ezani. Okunelele. Mon roi, cela annonce le mal. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Tiens. Majesté. On a fait tout ce qu'on était censé faire. L'oracle refuse de parler. Ezengwanye, prête proprement attention. Il parle d'habitude avec les faits. L'odeur de la bouche persiste longtemps après que le crachat ait été fait. On ne peut pas se permettre de brouiller avec Annie en ce moment. Consulte-les. Sacrifie ce qu'il faut. Ensuite, reviens-moi. Hibogalalunte, bagalalunte. Hifekelelunte, oh. Habagulalunte. Oudeme. Oudeme. Ochiala. Majesté. Écoute-moi. Que tous les gardes soient en alerte. Dis à tous les gardes de se tenir en alerte. Oudé. Ochiala. Majesté. Envoie des lettres à tous nos gardes dans les frontières. La recherche d'un étranger doit être intensifiée. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, votre majesté. Va, 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 va! C'est très grave, majesté. Je réfléchis depuis. À quoi? La consultation ratée. Dis ce que tu penses alors. Pourquoi Ihuma est-elle partie? On entendait qu'Aweli rentre avec Opinze. Elle est plutôt rentrée et elle est partie. Cela n'a-t-il pas de sens pour toi? Tu sais, j'ai réfléchi aussi à ça. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus.
Mon instinct me dit que Ihum aurait entendu ou vu quelque chose qui l'a fait partir. Ce qui s'est passé à la rivière aujourd'hui n'était pas ordinaire. Et Je pense qu'on doit livrer Obinze maintenant. Oui. Je crois que les dieux sont fâchés contre nous. Alors tu dois être prête à livrer deux personnes. Quoi? Je ne te laisserai pas faire cela. Ton silence est en train de me tuer. C'est quoi le problème? J'aimerais rester toute seule. Donc, c'est à cause de moi. Je ne suis donc plus le bienvenu ici, dis-le. Je vais partir. Si tu me pousses encore à te chercher, je te jure, tu ne me laisseras pas d'autre choix que de transpercer ta poitrine avec mon épée. Ok. Je resterai ici. Puis-je au moins aller y chasser? Te fais pas capturer. Je te le redemande. Que s'est-il passé quand tu t'enfuis? Je me suis enfui. Ne joue pas l'idiot avec moi. Que s'est-il passé entre toi et Aoulé? Il y a des troubles évidents dans le royaume. Peut-être à cause de ta présence. Ou peut-être à cause d'un mal qu'Aoulé a commis. De quoi est-ce que tu parles? Annie ne choisit que des gens purs, en esprit et de corps. Allez, dis-moi. As-tu violé Aoulé? As-tu couché avec... Jamais! Jamais! Alors tu dois partir. Je ne peux pas te livrer à eux. Et je ne peux pas te laisser profaner la terre de mon père. Mais où que tu ailles, j'irai. Et pourquoi cela? Dès le premier jour où j'ai posé les yeux sur toi, mon cœur a bondi.
Quand tout ça sera fini, je reviendrai pour toi. C'est promis. Je te le promets. Je te le promets. Alors, tu dois partir maintenant. Ok. C'est ce qui s'est passé? Oui. C'est ça. Ok. Je suis heureuse. C'est ça. Je n'y ai vraiment pas pensé, mais je... Que crois-tu être en train de faire? La bonne chose. Laquelle? Écoute. Je suis désolé, je t'ai menti. Je n'ai pas été sincère. Ce n'est pas pour toi que mon cœur bat. Mais pour Awele. Je suis venu dire au revoir. Je t'en prie. Pardonne-moi. Je suis désolé. Pourquoi tu mis tout ce temps? La rareté des gibiers, peut-être. C'est quoi ce silence qui enveloppe l'atmosphère? Qu'avons-nous fait? Je suis désolée. Donc tu savais... Tu savais que... Qu'on était censé être pur de cœur, mais tu as gardé le secret? Que voulais-tu que je fasse? Aux dépens de ce royaume et des gens qui nous ont donné un abri et la vie. Pourquoi? Je ne sais pas. Et maintenant quoi? Ça veut dire que c'est un au revoir? Ce n'est pas un au revoir. Je n'irai nulle part. Je mourrai. Je mourrai dans pas longtemps. L'oracle découvrira tout. Tu veux dire que tu as sacrifié ta vie? Risqué ta vie pour ma propre erreur? Écoute, je... Attends une minute. Comment as-tu découvert tout ça? J'ai entendu deux villageois en discuter dans la brousse. Ils ont dit que ton ultime consultation a échoué. Ils pointaient un doigt accusateur sur toi. Je les ai entendus. Qu'as-tu entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Ah. Tu risques d'être décapité. Écoute, personne ne viole l'intimité d'une fille, Dani. Je pense que je dois en parler à Iuma. Pourquoi? Je dois savoir pourquoi elle est partie. Iuma est partie parce qu'elle le voulait. Tu crois? Je sais. Alors tu ne sais rien. Tu crois que ce qui s'est passé à la rivière ce matin
ne veut rien dire du tout. Oloma, que veux-tu faire? Je ne peux pas laisser deux étrangers profaner notre royaume. Viens, viens. Regarde. Je pense que Obiez a couché avec Aoula. Sais-tu ce que tu viens de dire? Comme je l'ai dit, je pense. Ah! Arrête! Ne dis plus ça! Je viens de chez toi. Je n'ai pas vu Iouma. Iouma est partie. Elle est allée rejoindre son oncle. À Aburo. Viens, 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 viens. À Kongo? Oui, au Congo. Oude, oude, lele. Oude, oude, lele. Oude. Oude, oude. Oude, oude, lele. Oude, oude, lele. Oude, oude, lele. Oude, oude, lele. Oude, me. Oude me, oude oude, oude oude, oude oude lele, oude oude lele, oude mounede. Ezengwani. Ezani. Lorsqu'Uzomaka, la fille d'Ikenta, la fille élue d'Ani, avait violé son corps avant la quatrième nuit, Eskani ne nous a pas montré un signe et nous l'avons jeté dans la colonie des sorcières mortes. C'est vrai. Alors, avons-nous nommé la bonne personne? Avons-nous mis le manteau sur des mauvaises épaules? Tu étais là quand Awele a été choisi pour le festival. Oui, je l'étais. Mais que se passe-t-il? Annie ne me parle pas du tout. Qu'avons-nous fait de mal? Toutes nos cultures ont séché en une nuit. Qui sait ce qui arrivera ensuite? Patience, Ezani. Au prochain jour de marché de Eke, je vais aller à Ndiako. Je vais consulter Nwanyeke. Elle pourrait avoir des informations. Ezengwani, écoute, nous n'avons plus le luxe du temps. Nous ne pouvons plus attendre jusqu'au prochain jour du marché des quais. Nous ne pouvons consulter Nwanyeke qu'un jour de marché des quais. Patience, Ezani, patience. Mon royaume a été ravagé en un clin d'œil. Je n'ai vraiment plus de patience en moi. Oudem oudelele, oudem oudelele, oudem oudé, oudem oudé, oudem oudelele. Oudemounede, oudemounede. Alors, que fait-on maintenant? On attend. Attendre? Oui. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous attendre? Ah, mon prince! Bonjour. Lève-toi. Attendez, mon prince. As-tu perdu la tête? Comment oses-tu te mettre sur mon chemin? Je suis désolée, mon prince. C'est Awele. Elle a besoin d'être seule. Elle ne voudrait pas être dérangée. Eh bien, on ne le dirait pas. Parce que j'ai entendu deux voix.
Mon prince, que se passe-t-il ici? Elle ne veut pas me laisser passer. Je ne vous ai pas invité. Laisse-nous, s'il te plaît. As-tu un homme chez toi? Un homme? De quoi parlez-vous? J'ai entendu la voix d'un homme. Mon prince, la jalousie vous fait-elle perdre la tête? Je consultais. Avez-vous oublié que je suis la fille d'Annie? Très bien, j'ai pas oublié. Vons-nous discuter un moment, s'il te plaît, dans ta hutte? Mon prince, vous savez qu'il m'est interdit d'avoir une intimité avec un homme. Qui a dit qu'on l'aura? Awale, tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Ne vous flattez pas. Alors, qu'as-tu à dire au sujet de ma proposition? Je n'ai rien à dire. Annie n'a rien dit du tout. Mon roi, tout ira bien. Quand? Alors est-ce ainsi que la postérité se souviendra de moi? Un roi qui regarde son royaume périr graduellement? La postérité se souviendra de toi comme du roi au bon cœur, qui a conquis des cœurs et a agrandi Annie. Dommage. Tout cela a été complètement détruit, et ce, en ma présence. Quel malheur s'est abattu sur nous. Tout ceci à cause du péché d'un homme. C'est cet homme que je cherche. Que feras-tu? Je lui trancherai la gorge. J'aspergerai son sang sur l'autel d'Annie. Et je donnerai sa chair au vautour du ciel. Calme-toi, mon roi. Je t'en prie. Calme-toi. Attendons jusqu'à ce que Moigny qui parle. Je n'ai vraiment plus une once de patience en moi. Alors, qu'êtes-vous prêt à donner en échange de cette affection dont vous parlez? Mon plus précieux héritage, mon droit de naissance, le trône. Faites attention à ce que vous souhaitez. À quoi ça me sert d'être assis sur le trône sans une beauté comme toi, à mes côtés? Vous savez, cette beauté dont vous parlez, elle fait tout chair. Que se passera-t-il quand elle disparaîtra? Voudrez-vous encore d'elle? Même quand la force te quittera. Non. Je ne peux pas être votre femme. J'ai besoin de rester seule. S'il vous plaît, mon prince. Excusez-moi.
Où m'amènes-tu à cette heure de la nuit? Je t'amène dans un endroit sûr. Allons-y. Moi, Kigo. Oui, Yawele. Écoute, ne m'attends surtout pas. Pitié, ne dis rien à quiconque. Tu comprends? Oui, Yawele. Allons-y. Moi, Kigo. Oh, ouais, Olana. On est venu la chercher. Son père ne se sent pas bien non plus. Ok, ok. Pitié, ne dis rien à personne. Allons-y, dépêchons. Mon prince, je l'ai vu sortir de sa hutte avec un homme. Je les ai suivis jusqu'à un point de leur destination. Mais je suis très sûr qu'ils ne se sont pas enfuis du village. Bien. Si elle le cache, découvre où. Oui, mon prince. Et découvre aussi qui il est. Oui, mon prince, je m'en charge. Ce n'était pas si difficile de te retrouver.
Je ne le cachais pas. Et pour dire vrai, j'aime être ici. En exil? Que veux-tu? Des choses mystérieuses arrivent. Nos cultures ont séché. La pluie a cessé. Et il y a des incessants grondements de tonnerre et d'éclairs. Notre peuple agonise. Et j'ai appris que plusieurs mourront si des solutions ne sont pas trouvées. En quoi puis-je t'aider? En quoi puis-je t'aider? En quoi tu peux aider? Didi, n'as-tu pas de conscience? Bon, je suis ici pour que tu me dises pourquoi tu es parti. Que s'est-il vraiment passé? Je suis partie de ma propre volonté. Personne ne m'a forcée à me porter volontaire pour servir à Willy. Et je ne veux pas que quiconque questionne mes faits et gestes. Écoute, Ewuma, si tu me dis ce qui s'est vraiment passé, ça peut aider. Pense à ton père, ta famille, et ceux qui te sont chers. Écoute, s'il te plaît, ne laissons pas Annie brûler. Pitié. Ma langue n'a pas pu dire ce que mes yeux ont vu. Je suis donc partie. Qu'est-ce que tu as fait? Ok, je vais revenir. Je vais te chercher à manger et à boire. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne sors pas d'ici, ce n'est pas sûr. Enfuyons-nous d'ici. Non, ils ont renforcé la sécurité aux frontières. On ne réussira pas. Reste ici, t'es en sécurité ici. S'il te plaît, je dois y aller. Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu m'aides. Doit-il y avoir une raison pour que je t'aide? Ok. Je suis amoureuse de toi. Aux dépens du royaume qui t'a accueilli, qui t'a accepté, qui t'a donné un abri. Écoute, on a tous deux fait une erreur et je ne la referai jamais si je le pouvais. Mais une chose que je ne regrette d'avoir fait, c'est aimer. Tu me connais à peine. Il ne faut pas des siècles pour savoir ce que le cœur ressent. Ce fut un sentiment instantané. Et je ne le regrette pas. Écoute, nous allons partir d'ici ensemble. Je t'en prie, retourne à l'intérieur avant que quelqu'un te voie, s'il te plaît. Je dois y aller maintenant. Je te ramène de l'eau et de la nourriture. Là, tu veux? Et qu'a-t-elle dit? Hé hey, Olana, comment va ton père? Ne t'avise plus jamais. Compris? As-tu perdu la tête? Tue-moi une fois. Qu'est-ce que tu attends? Tu nous as déjà conduits à la ruine. Quand comptais-tu t'ouvrir à tes servantes? De quoi est-ce que tu parles? Elle a violé son corps avec Obizé. Oh!
Bon. Et maintenant, quoi? Vous allez me livrer à votre peuple? Tu ne nous laisses pas d'autres options. J'ai appris qu'on va me lapider à mort. C'est ce que vous voulez? C'est ce que le royaume veut. Nous sommes les sujets du royaume. J'aime votre loyauté à votre mère patrie. Mais que se passera-t-il qu'un jour, vous vous réveillez et voyez un beau lever de soleil? Et l'instant qui suit, c'est l'horrifiante vue de la mort. Vous avez perdu un être cher. Une communauté quelque part l'a utilisée pour purifier les péchés du royaume. Comment vous sentirez-vous? Attendez. Peu importe ce que vous imaginez, c'est absolument faux! Il n'y a aucune beauté dans la mort. Donc tu veux justifier ta négligence? Au contraire! Non! Je veux payer pour toutes les conséquences et les malheurs que j'ai apportés dans ce royaume. Mais je vais aussi m'assurer qu'aucune tête humaine, aucune tête humaine, ne soit plus utilisée pour la célébration du festival d'Annie. Comment? Les dieux nous ont bénis avec des vaches, des chèvres, des moutons, des brebis, des poules. Pourquoi doit-on égorger un homme comme un animal? Et alors? Je vais aller voir la grande Dibia de Ngri. Mais c'est loin d'ici. Si je pars maintenant, je serai revenue avant le coucher du soleil. Pourquoi? Pourquoi faire? Je ne peux le dire tout de suite. À mon retour, je le ferai. Je l'ai rencontré une fois, dans l'une de mes aventures de découverte de nouveaux royaumes. Et on doit te faire confiance pour revenir. Mon sang, c'est mon cage. Tu m'as fait peur.
J'ai cru que je t'ai attaqué. Écoute, je veux que tu restes ici jusqu'à ce que je rentre. Je dois aller en riz. Mes aides ont découvert que nous sommes le problème du royaume. Donc je dois partir. Et tu comptes me laisser ici tout seul? Je vais rentrer avant la tombée de la nuit. Qui vas-tu rencontrer? Je ne peux le dire maintenant, mais à mon retour, je le ferai. Tu comprends? Je dois partir. Ça en vaut la peine? Largement, je t'assure. Thank you.
Que cherches-tu, ma fille? Tu ne m'as même pas vu venir. Je savais que tu étais là, ma fille. Que cherches-tu? La purification du royaume qui m'a donné la vie. Je les ai déçus. Je cherche le changement. Je cherche un nouveau départ. Je cherche un changement de cet acte barbare de sacrifice humain. Qui est-il de drôle? Qui t'a dit, ma fille, que tu peux changer ce qui a été institué depuis longtemps? Qui t'a dit? Mais c'est une raison de plus pour être changée. Ils sont morts depuis. Mais le peuple continue de souffrir. C'est ce qu'ils t'ont dit. Grande Tibia. Je n'attends pas beaucoup de gens qui ont été sous le règne du roi despote. Des gens qui ont été réduits en rien que des murmures. Ils pratiquent des sacrifices humains. Mais je vois la peur dans leurs yeux. Je vois le chagrin, les remords dans leurs yeux. Grande Tibia, s'il te plaît, on a besoin de ton aide. Mon enfant. Un homme ne peut pas changer le cours d'une tradition. Sauf si le peuple le veut. C'est ce que le peuple veut. Même s'il ne peut pas parler, c'est exactement ce qu'il veut. Je ne peux pas t'aider. Ne puis-je pas au moins libérer le royaume de son présent malheur? Les cultures s'assèchent. On n'a pas de pluie. La famine à grands pas approche. Grandis bien, pitié, aide-nous. Il y a d'incessants roulements de tonnerre et d'éclairs. Grandis bien, pitié, je t'en supplie, aide-nous. Que pouvons-nous faire? Ma fille, tu l'as en toi. Va. Va maintenant. Je ne comprends pas. Va. Maintenant. 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 Quel
Qu'avez-vous fait, les filles? Qu'avez-vous fait? Vous avez livré Obinze aux villageois? Non, on n'a rien fait. Qu'il a-t-on fait? Je vous ai donné ma parole que j'allais revenir pour arranger les choses. Pourquoi? On n'a rien fait. Qu'il a fait? Soit votre règne, votre Altesse. Espèce d'idiote. Ah, un royaume qui t'a donné un toit. Tu as osé lui tourner le dos. Tout ça pour aller cacher et protéger un objet de sacrifice. Une tête humaine n'est pas un sacrifice. Comment oses-tu parler? Personne ne me contredit. Ezengwani. Ezani. On a trouvé le problème. La fille d'Annie, c'est elle qui cachait et protégeait l'objet du sacrifice. Oui, Noa Nienke me l'a révélé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons le sacrifier. Et ensuite, on décapitera Awele 3 nuits après le sacrifice. Qu'il en soit ainsi. Amenez-la. Avance. Amenez-la aussi. De la fertilité. Nous sommes venus une fois de plus te présenter le sacrifice. Son sang sera utilisé pour purifier la terre du royaume. Agnée! Agnée! Déesse de la fertilité. La déesse qui s'occupe de nous. La déesse qui met la nourriture dans le sol pour nous. La déesse qui nous donne des enfants. La déesse qui veut notre bien-être. La grande déesse. Ekwane kwamio! Anye keme si bwane mebu. Honne keme si me mekene yo. Anio! Anio! Ekeneke mio! Voici le sacrifice. Voici le sacrifice. Oh! Hey! Oh! Ore! Ichele! 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 Ah!
Annie, où es-tu? Annie, où es-tu? Ai-je fait quelque chose de mal? Hey, Nemo! Annie, Nene! On a un trap, fucking si est tout beau! Annie, Zakabene, quo! Annie, Zakaname, quo! Qu'est-ce qui se passe? Annie! 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 Hey! Annie! Déesse de la fertilité. Ekenemio, si tu as un cœur, aie pitié de nous, tes enfants. Mon roi. Je t'en prie, Lolo. S'il s'agit de notre fils, je ne veux pas parler de lui. Je ne veux même pas entendre un mot. Laisse-moi profiter de tes soins. Ezani. Ezengwanyi. Alors que me vaut l'honneur de cette visite? Olu Emego. Le sacrifice a été rejeté. Ewo. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le sacrifice a été rejeté. Annie ne rejette que le sacrifice des fils et des filles du royaume. Ocha! Votre Majesté. Va me chercher la fille en prison. Tout de suite. Oui, Majesté. Un sobo cabalantio. Ane, ane, ane. Ane, ane, ane. Ane, ane, ane. C'est l'heure? Oui. Ezani requiert ta présence.
Qu'est-ce que tu fais ici, Olana? Je suis ici pour te tuer. S'il te plaît. S'il te plaît, Olana. Ne me tue pas. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Votre Majesté. Où est la fille? Où est-elle? Je ne sais pas. Quelqu'un m'a attaqué par derrière. Je n'ai pas vu qui c'était, Majesté. Majesté. Donne-le. Ce bracelet appartient à la personne qui t'a attaqué. Fais-moi voir. Il appartient à une femme. Et une femme? Une femme. Azuka! Azuka! Père! Est-ce que tu as aidé cette fille à s'échapper? Père! Quelle fille? Ne joue pas à l'idiot avec moi! As-tu aidé Awele à s'échapper? Awele? S'est-elle échappée? Ah! Si je me rends compte que tu avais quelque chose à y voir dans ça, alors je vais te... Avant que tu ne le menaces des tourments de l'enfer! Souviens-toi que la personne qui l'a aidé s'est échappée. Laissons ceci. Ochaga, Majesté, viens avec moi. On doit y aller maintenant. C'est l'alarme d'urgence. Les plus grands guerriers et gardes sont après nous. Je ne partirai nulle part sans Awele. Elle a peut-être été capturée. Pas tant que j'en suis sûr. Je ne partirai nulle part sans elle. Merci beaucoup de m'avoir sauvé. Tu peux partir maintenant. Je n'irai nulle part. Où tu iras, j'irai. Je te dis qu'on ne peut pas. Tu as peut-être choisi Awele au lieu de moi. Mais je me soucierai toujours de toi. Ça va, tu n'as pas à dire quoi que ce soit. J'ai cru t'avoir perdu. J'ai cru t'avoir perdu. J'ai cru t'avoir perdu aussi. Ok, on doit partir. Dans pas longtemps, ils seront tous ici à notre recherche. On y va. Oui. Allons-y. Toi, cherche-la. Toi, là-bas.
T'as trouvé quelqu'un? Personne. Il y a quelqu'un? Allons-y. J'ai vraiment hâte qu'il ramène la fille. Votre Majesté. Oui. Majesté, nous l'avons cherchée partout, mais nous n'avons pas pu la trouver. Vous avez cherché partout, excepté là où elle se cache. Écoutez, écoutez-moi bien. Avant l'aube, je voudrais avoir le privilège de siroter le vin de palme avec son crâne. Ou le tien, si tu échoues. Oui, Majesté. Mais votre Majesté, nous avons trouvé ceci. Je l'ai bien dit. Je le savais. Quelqu'un de son camp l'a sauvé. Peut-être l'une de ses aides. Tu as entendu ça? Je veux que tu les ramènes tous ici. Tous autant qu'ils sont. Oui, votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Ezani. Ezengwani. Je croyais qu'on s'était déjà dit au revoir. Le sacrifice est parti. Elle a essayé plusieurs fois de lever son couteau. Elle n'a pas pu. Elle a consulté davantage. La calebasse est tombée de ses mains et s'est brisée en morceaux. Les dieux sont avec vous. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Annie l'a rejetée. Souvent, ça n'arrive pas, excepté si c'est quelqu'un d'Annie. D'où as-tu dit que tu es? Abba. Abba? Je dois y retourner. Où ça? Au palais. As-tu perdu la tête? Tu veux qu'il te tue? Je dois découvrir pourquoi il a été rejeté. Et que veux-tu obtenir? La certitude. Pourquoi? Ils vont te lapider à mort. Non, pas du tout. Pas si je promets de te ramener pour ma liberté. Et ils ne nous feront aucun mal. Parce qu'ils veulent savoir pourquoi Annie t'a rejeté. Je dois y aller. Pourquoi ai-je le sentiment que je ne te reverrai jamais? Je reviendrai pour ceci quand tout ceci sera terminé. Je dois y aller. Ne t'ai-je pas prévenu de revenir ici avec sa tête?
Sinon, tu auras la tienne coupée. Mes hommes les cherchent toujours, Votre Altesse. Ils ne sont pas loin du royaume. Où est-ce qu'elle se cache? Je ne me cache pas. Je suis là. L'en soit votre règne, Votre Altesse. Et tu la regardes? Tu devrais déjà mettre sa tête sur une pique. Je ne ferais pas cela si j'étais toi. Si vous mettez ma tête sur une pique, vous ne saurez jamais où il est. Vous ne saurez jamais pourquoi Annie a rejeté le sacrifice. Ezani! Taisez-moi, Annie. Mon cœur saigne. Le sacrifice rejeté est un fils de cette terre. Hein? Comment est-ce possible? Ne fuyez pas, s'il vous plaît. Ne fuyez pas. Ils viennent en paix. Obinze, s'il te plaît, fais-moi confiance. S'il te plaît. Tu as promis de me protéger. Et c'est exactement ce que je fais. Pourquoi me livres-tu à eux? S'il te plaît, Obinze, viens avec moi au palais, ok? S'il te plaît. Je n'ai pas connu mon père. Ma mère nous a élevés, ma sœur et moi. Ma sœur est morte dans mes bras il y a 2 semaines de cela. Et je ne sais pas si ma mère est encore en vie. D'où est-ce que tu viens? Abba. Ojaga. Votre Majesté. Prends-le, ainsi que 2 autres gardes. Allez à Abba et ramenez-moi sa mère. Oui, Votre Altesse. À quoi est-ce que tu penses? Awele, Obiezé et le royaume. C'est ce Christ que nos vies aient changé juste en quelques jours. Je n'ai jamais voulu être une aide. Tu m'y as incité. Est-ce que tu le regrettes? Chaque seconde de ma vie. Et ça m'a apporté une chose que je ne peux pas avoir. Peu importe combien j'essaye. Obinze. Tu n'as peut-être pas comme mari. Mais la vie t'a permis de démontrer de vrais actes d'amour. Ce qui est le plus important. Crois-tu qu'ils reviendront un jour? J'aurais aimé le savoir. Retournons à la hutte. Oh, Lana. Mais tu as peut-être perdu celui-ci. Mais crois-moi,
Les dieux ont cette manie de nous donner presque toujours tout ce que nous désirons vraiment. Oui! Maman. Obinzi Mwam. Maman. Obi. Maman. Maman. Je croyais t'avoir perdu. Depuis la fin de la guerre, plusieurs personnes ont disparu. J'ai beaucoup de choses à te dire, maman. Mais d'abord, nous devons partir à Annie. Annie? Oui. Mais c'est très loin, ça. Je sais, maman. Mais le roi Ezaini veut te voir. Qui as-tu offensé? Ils sont avec moi. Ezengwane. Ici est Ezani. Ici. Je suis déjà à court de patience. Salut, Votre Altesse. Je vous présente, Votre Altesse. Obinze et sa mère, Izioma. Igwe. Où est ton mari? Il est mort il y a très longtemps, Igwe. Avant ou après la naissance d'Obinze? Après que je l'ai accouché. Quel est le nom de la sage-femme qui t'a fait accoucher? Quel est le nom de la sage-femme? Ce n'est pas mon fils biologique. Hey! C'est quoi cette histoire? Na! S'il te plaît, ne les tue pas. Pourquoi tuer des enfants innocents? Qu'ont-ils fait? On a prophétisé qu'ils seront les instigateurs de la révolution de la tradition qui finira par porter des calamités à Annie. Pitié, ne les tuez pas. Donnez-les-moi. Je les amènerai très loin d'ici. Ils ne s'approcheront plus de votre royaume. Je vous en prie.
Le guerrier, dans sa compassion, me donna les enfants, un garçon et une fille. Obinze est le garçon. Aïe, et la fille. Quand j'ai pris les enfants, j'avais oublié que les jumeaux sont considérés mauvais à Abba. Alors j'ai dû laisser la fille dans la bousse. J'ai prié avec ferveur mon chien pour qu'un homme au cœur bon puisse prendre soin d'elle. Je lui ai donné une marque sur la cuisse pour que je puisse un jour la reconnaître où je la verrai. La marque sur ta cuisse. Oui, c'est la marque. Je lui ai fait cette marque. C'est bien elle. C'est la fille. Je lui ai fait cette marque. Ah, elle est. Qui t'a élevée? Un chasseur. On vivait dans les bois. Et comme d'habitude, il alla chasser. Mais cette fois, il ne revint jamais. J'attendis longtemps, très longtemps. 2 jours plus tard, je vis ses restes qui avaient été dévorés par des bêtes sauvages. C'est ainsi que je me mis à vagabonder. Fais éloigner. Ezani. J'aimerais te parler en privé. Que personne ne bouge un muscle. Ce sont les jumeaux qui naquirent dans la famille Nabifé il y a 27 ans. Ça va aller, vas-y, pousse. C'est bien. Vas-y, il arrive. Ça va aller, il arrive. Ça va aller. Le bébé est sauté. Il est sauté. Wow. Que les dieux soient loués. Un autre arrive, un autre bébé. Pousse, 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 pousse. Tu t'en souviens? Allez, pousse. Il arrive. Bien. Il c'est arrive. Bien. Vas-y. C'est bien, vas-y. C'est bien. Bravo. Que les dieux soient loués. Que les dieux soient loués. Bravo. Que les dieux soient loués. Ezani. Ezewani, tout va bien dans mon royaume? Pourquoi ces incessants grondements de tonnerre? Les enfants qui sont nés sont une bénédiction pour Obiligwe, mais une malédiction pour Annie. Leur gloire marche main dans la main avec leur malheur. Au temps convenu, ils seront les instigateurs d'une révolution de la tradition qui finira par apporter des calamités à Annie. Et vous détrôneront, mon roi. Jamais. Où sont ces enfants? Ils sont nés dans la famille de Nabifé. Au Congo, votre majesté. Ezewani va te guider jusqu'à la famille de Nabifé. Prends les 2 nouveaux-nés. Amène-les loin de la forêt d'Obari, avant notre frontière à Beraba. Et tue-les. Oui, votre majesté. Oudemoujelele, Oudemoujelele, Oudemoujé. Le destin est mystérieux. Ça veut dire que Okongwu n'a pas tué les enfants, les jumeaux. Ça explique pourquoi Annie a choisi Awele. Parce qu'elle est de Annie. Ça explique aussi pourquoi Annie a rejeté Obinze. Ah! Obiligwe nous a joué un sale tour. Mais je t'avais prévenu, Ezewani.
Je voulais qu'on apaise Obiligwe, mais tu as refusé. Tu as préféré instituer ta propre déesse. Obiligwe nous a tourné le dos quand nous étions en guerre. Ce n'était pas une guerre juste. Et tu le sais très bien. Est-ce vraiment important? Maintenant, c'est important. C'est vraiment très, très important. Ces enfants nous ont été donnés pour nous punir. Maintenant, regarde où on en est. Nous devons chercher Okongwu. Pour Okongwu? J'ai appris qu'il s'est imposé l'exil lui-même à Abuko. Nous devons le retrouver. C'est lui qui a causé tout ça. Et le garçon et la fille? Ils vont finir par mourir. J'ai entendu quelque chose de très lourd. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Pinze est le frère jumeau d'Awe. Oui. Comment est-ce possible? Ils étaient censés être tués par Okongwu, par les gardes. Mais on ne l'a pas fait. Pas du tout. Et où sont-ils maintenant? Dans la grande chambre, oui. On doit les sauver. On doit les sauver. Tu ne le feras pas. Ne sois pas stupide. Il a été dit de ne pas s'approcher. Ton bon cœur sait te causera des ennuis. Je ne le fais pas à cause de ce que je ressens pour Obirizé. Je le fais parce qu'on doit faire ce qui est juste. Je dois faire ce qui est juste. Mais tu ne peux pas. Je connais quelqu'un qui peut. Qui? Salut, mon prince. Pourquoi suis-je ici? Waouh. Juste une petite question, mon prince. Laisserez-vous votre père tuer Awele et Obiezé? Quelle est ta préoccupation? Quand votre règne prendra fin, la prospérité se souviendra de vous pour les actes bons que vous aurez posés. Et elle se souviendra aussi de vous comme d'un faible prince qui a laissé son père tuer sa bien-aimée injustement. Je te préviens, ne parle plus jamais. Ne parle plus jamais de mon père de cette manière. Je suis désolée, mon prince. Mais regardez bien autour de vous. Regardez quel genre de roi despote votre père. Il a dissous son conseil des anciens et Dinditi. Combien de personnes parlent en bien de lui? Mon prince, peut-être qu'Obiligwe a décidé de le punir pour ses atrocités. Arrêtez-le maintenant, tant que vous le pouvez encore.
D'accord. Même si je le voulais. Comment? Ouvrez-leur la porte. Tu me demandes de les libérer? Je vous demande de faire une erreur. Oubliez de fermer la porte. Je n'ai pas les clés. Trouvez un moyen. N'aie pas peur. Nous venons en paix. Ezani veut voir ton oncle au Congo. Nous avons appris qu'il s'est imposé l'exil ici. Il est mort. Oui, il est mort. Allons-y. Naya au Congo. Ils sont partis. Oui. Je crois qu'ils veulent ta mort. Nous devons partir d'ici. Pour aller où? N'importe où. Hey. Ok, je vais chercher nos effets. Vous vivrez longtemps, les amis. Où est au Congo? Il est mort et enterré en exil, mon roi. Mon roi. Tu devrais laisser partir ces jeunes. Le royaume est contre toi. Les dieux sont contre toi. Laisse-les pour réparer tes torts. Tais-toi, femme. Je n'ai pas du tout peur des dieux. Je suis moi-même un roi dieu. Ils vont mettre ton nom à l'épreuve et tu vas échouer. Jamais. La prophétie s'est presque réalisée. Laisse le garçon et la fille partir. Purifie le royaume et retire-toi honorablement. Comment oses-tu me demander de renoncer à mon trône? À l'aube, je les ferai décapiter. Et leur sang sera utilisé pour apaiser la terre. Ne défie pas ton chi au combat. Thank you.
Mon roi. Qu'y a-t-il? Attends, mon roi. Mon roi. Mon roi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon roi, les prisonniers sont partis. Quoi? Comment? Mon roi, je sais que j'étais censé les surveiller. Mais avant que je ne me réveille, ils étaient tous partis. Tout le monde? Oui, mon roi. Eh bien, tu dois être un idiot. Père! Ne fais pas ça. Je lui ai donné un somnifère à boire. Il s'est endormi. Et j'ai libéré les prisonniers. Tu l'as fait? Tous les prisonniers. Qu'en es-tu au moins l'implication de tout ça? Un combat! Je ne veux pas faire cela, père. Je t'avais prévenu. Pas vrai? Pas vrai! Arrêtez! Ne faites pas ça, mon roi! Ça suffit! Ça suffit, vous deux! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez ça maintenant. Je ne veux pas te combattre, père. Eh bien, dis ça au vent. Non! Non! Ne me pousse pas à faire ça. Tu oses tirer l'épée contre ton père. Je veux pas faire ça. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Non, mon roi, mon roi. S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Père, écoute-la. Je ne veux pas te combattre. Tu oses tirer une épée contre ton père. Non, non, non! Tu es mon fils. Mais un homme doit faire ce qu'il est censé faire. Et il doit faire... Ah! 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 Ezani, 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 Ezani. Ezani est mort. Hey! Hein? Je venais lui dire que Zamoni a été retrouvé mort. Quoi? Hey! 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 Ezani! 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 Ezani est mort. Comment le sais-tu? Les corps? Oui, ce sont seulement pour le roi. C'est fini. Non. Ce n'est jamais fini. Non.
Béant soit votre règne, votre Altesse. Lève-toi, Wadele. Votre Altesse, je viens avec un message de félicitations pour votre ascension au trône en tant qu'Ezeani, le 26e. Et je viens aussi avec un message de condoléances pour le décès de votre père. Merci, Awele. Votre Altesse, je dois exprimer ma gratitude pour avoir réinstallé les membres du Conseil. Et aussi d'avoir décidé que les territoires qui ont été conquis aient le choix de rester avec Annie ou d'être libre. Votre Altesse, mais nos cultures continuent de sécher. De même que nos ruisseaux et nos rivières. On n'a pas eu une goutte de pluie depuis longtemps. Doit-on continuer cette tradition de sacrifice humain? Eh bien, j'ai mon avis sur la question. Après la réunion avec le Conseil des Anciens ce soir, on conviendra de ce qui est mieux. Merci, Ezeani. Tu sais, Awele, tu peux toujours m'appeler par mon nom. Azuka. Et tu sais, j'ai toujours le désir d'être ton mari. Azuka, pouvons-nous parler de tout ça quand tout ceci sera fini? S'il te plaît, je dois me retirer maintenant dans ma hutte. Bonne nuit, Azuka. En ton absence, je suis allé chercher nos parents. Les as-tu trouvés? Non, ils sont morts. Nous sommes en vie. C'est ce qui importe maintenant. Quand je pense qu'on a failli coucher ensemble. Les dieux t'ont utilisé pour l'empêcher. Oh, Billy Gray, mais témoin que je te désirais. Notre mauvais acte était que je t'ai caché, pas à cause de notre amour ignorant. Oh, Lana, je crois qu'elle t'aime. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Je l'aime de tout mon cœur. Je sais. Je te taquinais. Vous m'avez appelé, Votre Altesse. D'accord. Assois-toi. Vois-tu, j'ai eu une réunion avec mon conseil d'anciens hier. Comme je te l'ai dit plus tôt. Nous avons tous convenu que les sacrifices humains soient abolis. Mais il y a un problème. Tu sais, ce genre de requête requiert un type de rituel que seuls les plus grands Dibia peuvent faire. J'en connais une. Je suis déjà allée la voir. Mais elle doit savoir que toute la communauté a unanimement accepté cela. Très bien. Envoie la chercher immédiatement. Elle ne va chez personne. Nous devons aller chez elle. Très bien. Vous devez venir avec nous. Nous? Mes amis.
Merci est revenu, ma fille. Grande sage, voici Ezeani, le roi de... Je sais que tu n'es pas seule, ma fille. Je sais que tu es venue avec des gens. Dis-leur de nous laisser. Ce que tu cherches, ma fille, est trop grand. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu as à donner en retour de ce que tu demandes? Grande sage, nous avons des chèvres, des vaches, des brebis, des poulets, des moutons. Jusqu'à quand allons-nous attendre? Patience, Votre Majesté. Patience. Juste encore un peu. La voilà. Briseur de charme. Cassez cela dans l'entre d'année. Et toutes les alliances et tous les pactes passés seront brisés. Est-ce tout ce qu'elle a dit? Merci. Allons-y. Il y a un truc que tu dois savoir. Quoi? C'est la naissance d'une nouvelle ère. Au nom des 4 jours de marché, au nom de cette montagne, et au nom d'Obiligwe, nous, le peuple, en accord, te rejetons, Annie. C'est accompli. C'est terminé. C'est terminé. Awele, 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 Awele. Laissez-la. Elle est partie. Non, Awele, non, non. Awele. Non. Il y a un truc que tu dois savoir. Quoi? C'est la naissance d'une nouvelle ère. Mais je n'en ferai pas partie. De quoi est-ce que tu parles? Quelqu'un devait le faire pour que plusieurs autres vivent. Qu'est-ce que tu as fait?
J'ai dû donner ma vie en échange de cela. Non. Si les gens pleurent pour moi, dis-leur que c'était mon choix. Mon choix. Et je ne le regrette pas. Rappelle-moi juste de te tuer après. Je sais que tu ne le feras pas. Il s'est passé plein de trucs. Tout a commencé dans ce ruisseau. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Oh. Mon cœur sera toujours avec les âmes qui sont parties en se battant pour cette liberté. Mais le plus important est que mon cœur sera toujours à toi. Ils sont pas oulés. Ouais. Mais ils sont à toi maintenant. Garde-les bien. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Oh, I'm on a gym. Oh, I'm on a gym.
Jim. Oh.